Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques pièces de notre gamme Solex, hein, parce que maintenant il existe vraiment toutes les pièces pour rénover votre Solex, du carter au vilebrequin au carburateur, au cylindre, pot d'échappement. Alors ici j'ai 2-3 pots d'échappement que je vais vous présenter. J'ai un échappement type origine chrome, hein, pour éblouir son copain avec son Solex. Ici je l'ai en noir de type origine, hein. Donc les deux ici ils ont un diamètre intérieur de 14 mm. Et après, ici, j'ai un modèle sport où justement à l'intérieur on est en 15,5 mm, donc on gagne un petit millimètre et demi, ce qui peut être bénéfique sur ce genre de moteur. Après, ces pots d'échappement, ils sont prévus pour le Solex 1700 ou 3800. Après, ça va sûrement sur d'autres, donc après, c'est à votre propre appréciation ou sûrement ils s'adaptent. Les trois qui sont ici, du modèle sport au chrome, ils ont un diamètre d'emmanchement de 18 mm. Comme ça, avec ces informations, ça vous permet un peu de voir si vous pouvez l'adapter ou pas sur votre Solex. Ici, j'ai trois cylindres à choix. Donc, on va commencer avec le cylindre fonte. Donc, c'est vraiment un cylindre de remplacement type origine. On est avec son piston en trois segments. Hein, donc, voilà, le petit souci de la fonte, c'est que petite usure prématurée. Et puis, après, quand on change le piston, on devrait voir pour un piston de plus gros diamètre ou. C'est toujours un peu, ça s'use toujours un petit peu plus vite. Après, par contre, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est fourni avec une pochette de joint. Donc, on a le joint de carter, joint de cylindre, joint d'embase. On a aussi une membrane, hein, pour la pompe à essence. Et puis le joint d'admission, hein, qui fait admission et échappement. Après, là, j'ai deux cylindres de type aluminium. Donc, je rappelle juste, celui-là, il est en 39,5. Et puis après, j'ai deux cylindres de type aluminium Nicasil. Donc, niveau usure, ben, ça va durer quand même beaucoup plus longtemps. Et puis, les cylindres, ils ne perdent pas la cote. Et puis, on voit qu'on a des pistons bisegments. Donc, aussi, au frottement, on est quand même un peu moins contraignant. Donc, là, j'ai un cylindre en 40 mm, aluminium Nicasil. Il est en deux transferts. Regardez le piston aussi. Hein, l'ouverture, c'est pas les mêmes aussi, c'est travaillé un peu différemment. Et après, là, j'ai vraiment un cylindre sport en 41 mm. Celui-là, il est en trois transferts. Et puis, on a aussi un diamètre d'admission qui est aussi un petit peu plus conséquent et puis d'échappement qui reste assez similaire. Mais on voit que la lumière est un peu mieux travaillée, c'est mieux fini, c'est plus propre. Hein, puis il est en trois transferts, comme ça on a aussi un meilleur remplissage. Hein, on voit pour le troisième transfert, le piston ici, il a une petite ouverture. Par contre, ces deux-là, ils sont fournis sans les pochettes de joint. Et celui-là, bah, le cylindre sport, il est un peu plus cher par ses performances et puis un peu l'étude qui a été faite dessus pour le bon fonctionnement de vos Solex. Donc voilà, là vous avez quelques pièces pour réviser votre Solex ou le faire un petit peu mieux fonctionner pour qu'il puisse faire les montées ou des petites balades. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on se fera une joie de vous répondre.